Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Starbrand V4 Please the Giraffe. Alors comme vous entendez ma voix va un petit peu mieux. Donc on va descendre, on est sur une planète de type tropical. On l'avait vu dans le précédent épisode, on y était allé ensemble, donc en tout cas on s'était déplacé dessus ensemble. Maintenant on va essayer de réaliser un petit truc pour se repérer dedans. Hop, voilà. Hop, hop, parfait. Crac. Voilà. Alors, je vois déjà qu'on commence dans un biome assez particulier. Alors, il nous reste quelques petites choses à trouver, hein, vous inquiétez pas. On n'est pas là par pur hasard. Enfin, si, par pur hasard, on a cette planète-ci. Cependant, c'est pas sans raison qu'on y est. Hop. Toujours pas de combat update à l'horizon, chers amis. Oh, je viens de faire une double blague, une blague sans m'en rendre compte. De combat update à l'horizon, alors qu'on a lu la vidéo Horizon aujourd'hui que j'ai tournée, qui est en ligne aujourd'hui. Pour vous, c'est un peu plus tard. Hop. À tout hasard. Non, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel devant? D'accord. Ok. Ah, bla. Non. Ça suffit. Alors. Est-ce qu'on va trouver quelque chose, cette planète merde? Des zones bizarres. Complètement étranges. Ah. Donc tiens, j'en profite pour en parler. Ça y est, donc dans la prochaine update, normalement, on pourra enfin, normalement, je l'espère en tout cas, donner des couleurs à nos armures, modifier la couleur de nos armures. Alors je pense que ça va pas être épique, hein. Autant vous le dire tout de suite, ça va pas être épique. Les collégrammes, mais ça va pas être génial, mais ce sera faisable. Parce que par exemple, ils ont donné aucune information sur par exemple le fait que, je sais pas, regardez. Là actuellement je porte un haut avec une partie marron et une partie grise. Ils n'ont jamais dit qu'on pourrait peindre et la partie marron et la partie grise. Enfin teindre la partie marron et la partie et ou la partie grise. À mon avis ce sera tout rouge par exemple. Ou tout bleu ou tout jaune, c'est vous qui verrez mais... C'est enregistré dans l'incommensurable... Surable... Non, c'est enregistré dans YouTube, tout simplement. Hop. Alors, et bien sûr c'est un euphémisme, hein, c'est une connerie, je raconte des conneries, je suis complètement à côté de la plaque, chers amis, je suis désolé, hein. Je suis pas du genre à parler dans le dos des gens, ce qui fait que je n'aime pas ça. Je cite A plus... Au lieu de... Ah, ça marche pas. Voilà. Et... Bonjour. Pas de vendeur, non. Hop, excusez-moi, je vérifie.
Hop. Ah, cool. Hop. Oh, intriguant ça. Non mais oh! Ah, il est solide. Il est solide. Couché. Hop, on coupe l'arbre. Ça drague déjà dans les commentaires. Déjà dans les commentaires de toute manière. Pour ceux qui me croient pas, allez regarder. Alors la personne a nié, hein, elle a nié honteusement. Je suis pas tout à fait d'accord, il y avait de la drague, mon grand. Quand dans un quand je dis qu'on peut débattre dans les commentaires et qu'une personne dit « Mais bien sûr, si tu veux en débattre, tu peux m'envoyer un MP !» Bah alors ? Bah alors, nous aussi on veut en débattre. Moi aussi je veux en débattre, allez, vas-y. Alors. Crac, celui-là j'ai déjà, l'autre aussi. C'est pas du français. Hop, il donne rien. Lui, il vend. Il vend des choses. Oh. Il vend que de la merde. Oh, dis donc, ouais. Par contre, ils ont quand même une bouteille de champagne à ce... Oh. Oh. Un banjo. Un banjo. Non, c'est pas un banjo, c'est quoi? C'est un banjo, c'est bien ce qui me semblait. Je crois que j'avais lu autre chose que banjo, mais peut-être un lab ou je sais pas quoi. Ou ma connerie. What? Ah, d'accord. Ok, on a fait le tour. On va descendre un petit peu, on verra bien. Bonjour. C'est pour un sondage. Ok. Ok. Pas grand chose quand même. Hein. Poison, ah bah c'est génial, la planète veut de moi, hein, ça c'est certain. Oh, double. Vous n'avez pas un troisième pod pour voir si je peux pas me bouffer encore du poison? Est-ce que je vais crever de ce poison? Non. On va éviter, hein. Hop. Non, raté. Hop. Hop, ouais. Calmos. Hop. Je ne tolérerai aucune insulte dans le canal. Vous avez le droit de les dire, chers amis, je le précise. Hein. Vous avez le droit de les dire à voix haute devant votre PC. Ah, je l'ai déjà, mais je l'ai pris vraiment pour la science. Hein. Vous avez le droit de le dire devant votre PC? Ça veut dire pas toucher. Hop. Ouais, ah, merde. Hop. Travail au noir, tout ça, c'est du black. Voilà. Parce que quand moi je dis trou du cul, c'est pour rigoler. C'est pas insultant. Put, put. Je reçois des messages. Je pensais que ce soir j'ai peut-être live sur YouTube, on va voir. J'ai envie d'essayer de live sur YouTube. Oh, oh,
Oh, il a réussi. Oh, il a réussi. Mais tu méritais la vie, toi. Ah, oh, il a réussi à monter jusque-là, quoi. Oh, putain. C'est génial. Saloperie. Hop. Il est con. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Hop. Dis donc, vous avez le cerveau en feu? Ok. Bon, on trouve rien, hein. Faut reconnaître que là... Aïe. Ah, passage? Serait-ce un passage vers la surface? Effectivement, on monte. Ah! C'est un troisième poison, chers amis. On remonte même pas à la surface. Ah, non, ça va. Espace un instant, j'y ai cru. Hop, allez. Tu vas bien me laisser remonter. Oh, intéressant. Enfin non, pas vraiment, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Hop. Ah non, il y a vraiment rien du tout en fait. Non, c'est même pas intéressant du tout. J'ai bien vu à côté, mais le problème c'est qu'on n'y trouvera rien d'intéressant non plus. Hop. Non, pas assez haut encore. Là, on est assez haut. Eh bien, écoutez, les amis, malheureusement, on va déjà se laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de l'Apéro, vous trouverez le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver à l'accueil du groupe, justement, l'adresse et le port du serveur Starbound, donc financé par la chaîne. Encore une fois, n'hésitez pas à vous présenter dans le groupe Steam, hein, si vous souhaitez simplement participer à des choses avec des commandes d'autres viewers, ou aussi avec moi. En ce moment, c'est pas le cas, hein, malheureusement, je n'ai pas encore trop... Starbound, j'ai envie de continuer un petit peu en solo, ou en tout cas, en improvisé. C'est pas vraiment en solo, mais ce que je veux faire, c'est que ça reste de l'improviser. Suivant la combat update, on verra bien. Peut-être que j'irai sur le serveur. En fait, peut-être que si la combat update est pas trop mal, si elle est bien fichue et si elle modifie pas trop de choses, je pense que je la ferai sur le serveur, c'est-à-dire que je la ferai en vanilla serveur. Donc on pourra peut-être tomber sur des gens avec un nouveau personnage. En plus, on ira pas trop loin, on ira dans les planètes, donc on essaiera de trouver ce qu'on peut. En tout cas, le premier épisode ne se fera pas sur le serveur. En tout cas, si ça se fait, on ne se fera pas... Non, les premiers épisodes ne se feront pas sur le serveur parce que les premiers épisodes, franchement, sont extrêmement complexes à tourner sur le serveur vu qu'il y a des gens de tout horizon qui viennent sur le serveur et qui s'amusent à tout casser. Du coup, on va tomber sur des zones qui sont extrêmement cassées ou alors avec aucune ressource, par exemple aucun arbre replanté ni rien. Donc de ce côté-là, malheureusement, c'est pas génial. Donc on verra ça. Encore une fois, merci à vous pour votre sympathie et votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.